Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Mancillon, je suis un artiste, un marchand d'art et un spiritualiste et depuis de nombreuses années j'ai exploré les plans internes de la conscience et des réalités spirituelles, ce que je continue, mais on m'a demandé aujourd'hui de revenir à vous pour continuer ma discussion afin d'offrir une guidance ou quelques assistances pour ceux qui s'intéresseraient à avancer plus facilement dans leur monde intérieur et pour découvrir des nouvelles choses. Et dans ma dernière vidéo, j'avais commencé à parler des guides et des présences angéliques qui nous sont connectés pendant toute notre vie et qui sont invisibles. Mais la plupart des gens sur Terre ne sont bien sûr pas conscients de la réalité de ces présences. Et donc, c'est un petit peu comme l'astrologie. Les planètes vont travailler pour nous, même si on n'en est pas conscient. Par contre, quand on prend conscience de l'astrologie, on peut commencer à recevoir certains aspects à envisager certaines choses qui ne seraient pas possibles sans l'aide des interprétations de l'astrologie. Et donc nos guides vont travailler pour nous, qu'on en soit conscient ou pas, et donc ils vont continuer à faire leur travail. Et donc pour le moment, au début, quand on commence à s'engager dans cette recherche de communication, essayer de trouver des manières, il faut essayer de voir les synchronicités, de voir qu'est-ce qui nous connecte. Il y a des moments où les choses se passent naturellement et très facilement, et généralement quand il y a ces rendez-vous, que ce soit avec des gens ou des situations, c'est généralement parce que les anges ont créé ces situations pour nous, parce qu'on leur avait demandé, ou c'est des choses qu'on avait prévues avant même de venir sur Terre. Et donc il faut vraiment rester présent, essayer de voir les signes dans la nature aussi, trouver des moyens de communiquer, parce qu'il y a toujours une intelligence supérieure qui est là, qui est prête à nous guider, mais seulement notre esprit mental a besoin d'engager cette présence. Ces présences, enfin dans la nature il y a plein d'esprits toujours partout, et donc si vous voyez une plume une plume ou un vol d'un oiseau, par exemple, bon, pour moi les oiseaux, les vols des oiseaux m'indiquent certains aspects des conditions présentes, c'est-à-dire que si ça, selon l'oiseau, selon la direction de son vol, je vais recevoir des informations différentes. Par exemple, pour simplifier, c'est-à-dire que si, ou un papillon par exemple, si je suis en train d'expliquer quelque chose et qu'un papillon passe devant mes yeux de droite à gauche, pour moi ça veut dire que ça me confirme la validité de ce que je dis. Par contre, s'il passe de gauche à droite, ça veut dire que le sujet est peut-être bon, mais mes conclusions ne sont pas forcément nécessaires, et donc je suis obligé de repenser ça. Et donc cette intelligence naturelle qui fait aussi partie du monde terrestre est une intelligence qui vibre à la vitesse de la lumière. Et donc quand on engage notre esprit mental supérieur avec cette unité à travers toute la vie, que ce soit à travers les humains, les animaux, les plantes ou quoi que ce soit, cette lumière va bien sûr nous montrer que nous sommes, qu'elle va plus vite que nous, quoi. Elle connaît déjà, elle est déjà en train de nous instruire sur la prochaine étape. Et donc il y a toujours, la lumière est toujours quelques pas d'avance sur nous, mais donc ça nous apprend à rester humble et continuer à apprendre un moment à la fois, quoi. Et donc voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que bon, si vous connaissez vos guides ou vous ne les connaissez pas, mais sachez que bon, leur relation avec vous est une relation d'amitié, et que bon, ils sont là pour vous, donc vous pouvez, comme tous les êtres de l'univers, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur dans la spiritualité. Il y a ceux qui sont dans les dimensions supérieures, qui ont plus de connaissances, puis il y a ceux qui sont comme nous, qui sont actuellement, même si nous prenons une apparence mortelle, c'est pas pour ça que nous sommes moins qu'un ou plus qu'un. C'est-à-dire que personne ne vous sera jamais supérieur ou inférieur dans le monde spirituel, quoi. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous un, et bon, plus on avance dans la spiritualité, au plus on peut le réaliser. Alors que l'ego veut bien sûr séparer les choses et se montrer supérieur aux autres, quoi. Mais bon, ça, ces choses-là n'entrent plus en jeu, et donc une dernière chose que je voudrais dire, c'est que bon, n'ayez pas peur d'utiliser votre imagination. Vos rêves sont très importants parce qu'ils vous permettent de quand même communiquer avec cette partie spirituelle de vous-même. Et puis, comme disait Albert Einstein, l'imagination est plus puissante que la connaissance. Et donc, ce maître ascensionné avait quand même compris beaucoup de choses. Il arrivait à trouver ces informations. Et tout ce qu'il a dit, enfin, je ne sais pas tout ce qu'il a dit, mais ce que j'ai entendu, ce n'est pas vraiment forcément ses idées à lui, mais c'est des réalités spirituelles qu'il a découvertes et qui sont souvent en opposition avec la science contemporaine, mais bon, qui se révéleront de plus en plus vraies au fur et à mesure que nous avançons. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.